Et si tu n'es pas abonné, pense à le faire et à activer les notifications sur Léa Chou et Poche Chou. Il manque la troisième personne là. Et du coup, petit déj. Et aujourd'hui, on a une journée un chill. Non. Chill. Non. On va faire du escape game. Nous sommes en train de faire à manger des rusty pommes de terre et des rusty mozza et là des rusty mozza et des rusty poissons dans des bâtonnets de poissons parce qu'en fait pour faire simple en gros de gros le mec il est venu pour le gaz d'hier et il y avait encore des fuites donc il me l'a recoupé et il m'a dit clairement qu'il fallait que je change la chaudière. Du coup là je suis en train de me battre mais il y a personne qui me répond, ils sont en vacances, ils s'en battent tous les couilles, ils sont à la plage pendant que moi je galère avec mon putain de gaz. Mais voilà, on va s'en sortir. Il faut que j'achète un chauffe-eau, donc ça sera pour septembre, donc jusqu'à là j'ai pas d'eau chaude et j'ai pas de truc pour faire cuire. Mais tant pis, c'est vraiment un investissement à faire pour... Un investissement à faire. Je le dis bien depuis tout à l'heure, non? Bah oui. Un investissement, j'avais l'impression qu'il manquait une syllabe. Yo, bon, en instant sieste là, on est à trois dans le lit. Oui, parce qu'il y a une histoire avec le lit. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commandé des matelas. Je me suis trompée dans le code postal. J'ai mis le code postal de mes parents avec mon adresse. Et en gros, ma mère ce matin, elle m'appelle en me disant « Ouais Léa, franchement j'ai une bonne nouvelle et tout, j'ai réussi à réceptionner tes matelas et tout. » Elle m'appelle en mode trop mignonne. Et là je lui dis « Oh non maman, t'aurais pas dû les réceptionner. » Parce que ma mère elle habite à 1 heure de chez moi. Et du coup ça veut dire qu'il faut que j'aille les chercher alors que si elle les avait pas réceptionnés, elle les aurait amenés demain chez moi. Du coup bah, elle a fait ça en mode trop mignon pour me dire « T'as vu, heureusement que j'étais là tu vois. » Et en fait c'était « Non, 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 non. » Du coup bah, on a pas de matelas, du coup genre sur un truc... Quentin il m'a amené un matelas gonflable, on gonfle. Et ma elle me dit ouais t'es débile t'arrives pas à le gonfler. Mais elle dit ouais, pas comme ça. Comme ça elle dit pas comme ça mais elle a sous-entendu. Oui je te connais. Et au bout d'un moment je dis mais non mais je suis pas débile quand même. Et en fait il y avait des gros trous parce que son chat il avait fait ses griffes dessus. Et du coup bah j'ai dormi en mode de... Alors, je vous dis même pas comment j'ai dormi. Du coup là on va faire une sieste. Je crois que nous avons un gros dodo par ici. Pendant que Emma se douche et que moi je me maquille. Et là, elle est partie tellement loin. Wake up, smell the liquor coming off my breath. Lightheaded, feel my heart beating out of my chest. Piece together my life, calling everyone like I'm sorry for last night, I never wanted to fight. Damn, it's too bright, the television is loud. Jeans are still on, my memory is a cloud. These nights I'm through with them, Tylenol pop two of them. It's way past two and I'm still in my room doing the same shit as before. Clothes all on the floor, never drink anymore. I swear I'm done with it all. Check my text messages, try not to be a pessimist. Damn, I made a mess of this, why am I still stressing this? Feel like I'm half dead. Mais bien sûr il monte la musique lui là. On va avoir des droits de terre, ok. Allez. Ils sont tous méchants avec moi. Bon du coup il est... Je sais pas quelle heure il est. Il est pas trop tard. Mais dégage toi là, je te connais pas, t'es qui? C'est Onirik sur Instagram, allez les insulter. Et non là je suis avec Quentin et Guillaume. Non en vrai là on a posé Margot et Emma qui étaient fatiguées. Et en fait vu que j'ai pas de lit bah, je vais dormir dans une chambre chez lui je pense parce qu'il a une maison. Et ils sont insupportables hein. Bref sur ce je vais conclure le vlog et je vous dis bonne soirée. Au revoir.